Recopie cette soustraction et nous nous voyons après la petite pause. Tu constates qu'ici il y a 28 secondes, ici 51. Je ne peux pas enlever 51 secondes de 28 secondes. Donc je vais devoir opérer une transformation. Pour cela, je vais prendre une minute aux minutes pour les transformer en 60 secondes. Et j'additionne 60 à 28. Rapidement, cela fait 88 secondes. Pour les minutes, j'ai donc une minute en moins, donc 44 minutes. 44 moins 27 minutes, cela est tout à fait possible de le résoudre. Je peux donc maintenant calculer cette soustraction, c'est-à-dire cette différence. 8 moins 1, 7 unités. 8 moins 5 dizaines, 3 dizaines. Pour les minutes, 4 moins 7 unités, je ne peux pas le faire directement. Je vais donc rajouter une dizaine sous forme de 10 unités et la compenser ici. 14 moins 7, 7 minutes. 4 moins 3, une dizaine. Pour les heures, 6 moins 3 égale 3 heures. La différence de ces durées est de 3 heures, 17 minutes et 37 secondes.